nous vous demander d'éteindre vos téléphones portables et de ne pas prendre de photos avec flash. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne soirée et un bon spectacle. Merci. Merci. Amis, nous avons passé un bref instant ensemble avec cet immense privilège de convoquer des signes, des symboles, avec cette prétention qui prône l'ignorance de nous rapprocher du feu ardent des dieux. Ces grands vaniteux et gracieux qui voilent le réel avec élégance, à cet homme noble qui courtise les étoiles, vêtu de ce sourire compatissant et ravageur, à ce noir qui s'étend comme une nappe de désir. Il est interdit de réveiller les dieux, de libérer les regards plus humains par des faiseurs immédiats, de se projeter vers le passé pour retrouver les mémoires de ces terres caressées par les drapés des anges. Comment fuir cette prison virtuelle, cette oppression requise comme rançon de nos muettes solitudes socialisées? Nous avions des amis, des frères qui bâtissaient pour nous de splendides palais, ornés de fresques et de statues ouvragées par l'imaginaire et l'absolu. Nous voilà écorchés vifs, dépossédés de la beauté comme oxygène de l'âme. Hagard et mutilé sur le bord du chemin, bousculé par les poids lourds du consumérisme, affublé des costumes de la modernité. Et nous devons marcher sans nous retourner des fois qu'il nous prendrait l'envie de convoquer les mythes, fuir les symboles et les risques existentiels qui nous faisaient penser, rêver. Cette machine infernale qui nous éloigne tous les jours d'ici terre. Comment solliciter les dieux endormis sous le bitume du rationalisme? Comment serrer ton âme contre la mienne, mon frère, au-delà de ces murs bétonnés de l'inconscience? Blotti dans vos regards, je convoquerai la mer, obstacle et trait d'union de nos communes épopées, distillant l'encre des îles à portée de ces sublimes bateaux, enfanté par l'audace d'Ulysse. J'écrirai de nouveau le voyage de nos errances impératives, fuyant les terres immédiates. J'accosterai sur les anges du désir, préférant l'écume de Vénus à la fumée des rois. Comment te retrouver, anima mea, toi qui de dos me contemples à présent, toi emporté par la foule des aveugles, nous te louons à tâtons, crispés, à la recherche d'une main tendue,
à la recherche de ce fil d'Ariane qui nous reliait au héros. Thank you.
sommes-nous jamais sûrs de notre humanité? Et d'abord, que peut-elle être? Tout ceci n'est que mots et images forgés par mon existence en cours. Encore, qu'on m'ait volé mon innocence originelle. L'école, la vie, la société. Loin de m'avoir émancipé, je mesure combien cette aventure m'a appauvri. Rançon d'une multitude d'aveuglements qui m'a privé de mon identité véritable. D'où un besoin de délivrance et d'ailleurs une autre voie, un tout autre horizon d'amplitude, de liberté, de moisson. Oh, Morgan, ton nom fait de toi un bien-né. Et plutôt que de nous divulguer ta véritable identité, ton état, tes origines, le coup de fouet d'une apparition. Mais la tienne n'est pas ordinaire, puisque vouée à durer, on ne sait que trop accommoder de la puissance inhérente à l'art du portrait. L'homme, quand il s'en donne la peine, est capable d'accéder au génie de l'immuable. Étrange. Songe que tu pourrais affronter sans la moindre émotion l'ensemble des impondérables, guerre, épidémie, horloge, usure. Tout le démontre. Ton calme sans borne. Contemporain des débuts du monde, tu as été le spectateur attentif de ses principaux événements sans t'en préoccuper. Ta posture parmi nous se veut haute, distanciée. Mais sans doute en es-tu conscient. Par moments, à t'appréhender ainsi installé, ne craignant rien, trônant au cœur de ton éternité d'ébène, une légère irritation me gagne. Peut-être parce que je te soupçonne d'une vie autre, dissimulée. La nuit, quand le silence s'établit autour de ton cadre, je sais que tu te contentes de te reconduire à l'identique. Ce que j'ai à te divulguer viendra plus tard, quand je jugerai l'instant propice. L'histoire qui nous relie est en réalité ancienne, à l'instar des grands compagnonnages, des aventures destinées à durer. Cette expérience a débuté lentement, d'abord vague, distanciée, sur un mode presque dédaigneux. Probablement étais-je encore prisonnier de se regarder sans voir. Je ne me souviens pas vraiment de ma première visite dans cette salle du musée Fesch d'Ajaccio où sans doute m'attendais-tu de pied ferme. En résultait-il de ma part une forme d'intuition? J'en suis désormais convaincu. Car bien que toujours prisonnier de mon aveuglement, je prenais l'habitude de songer à ton existence. Cela s'apparentait à une éclosion inopinée. Preuve que nous ne sommes jamais maîtres de nos expériences. Personne ici-bas ne s'appartient complètement. Tandis que je multipliais mes visites au musée Fesch, je demeurais néanmoins lointain et distrait. Au deuxième étage, au fond du couloir à gauche, quand je pénétrais dans la salle qui était réservée au-dessus du front de mer, je constatais que rien de notable ne se produisait.
Je m'étonnais du reste d'être là. Cela ressemblait à ces haltes de principe auprès de certains monuments, sans qu'il en résultât l'once d'une émotion. Mais un soir, après le Vendredi Saint, une sensation de brûlure dans la nuque m'a tout à coup incité à revenir sur mes pas. Et c'est alors que les yeux dans les yeux, nous nous sommes enfin rencontrés. D'où mon profond désir d'évasion. Je me souvenais de cet imaginaire pictural qui en particulier avec Dürer et Léonard de Vinci m'avait ouvert un début de chemin qui, par la suite ou par paresse, hein, je ne m'étais pas employé à explorer complètement. Mais quand on retentit les dernières cloches de Pâques, j'ai compris qu'elles évoquaient moins l'ascension du Christ que ma soudaine résurrection. Je venais de songer à la pose sempiternelle dans la nuit majestueuse de ta toile. Combien de visites déjà ? Pour le personnel chargé de la surveillance, je suis devenu un familier. Quand il me voit franchir le hall du musée, je comprends, c'est surtout qu'il sait où je me rends. À croire que tu es l'unique personnage à occuper ces lieux. Je constate que j'ai oublié de m'intéresser aux productions des autres peintres. Telle est la loi occulte de ce monde, que partout où se déploie un espace quelconque, prévaut toujours un intercesseur. Ce peut être une demeure oubliée, un arbre dans un pré, une toile dans un salon. C'est par ce biais que s'accomplissent les noces alchimiques de la terre et du ciel. Noces indispensables à la circulation des âmes d'hier et à venir, qui ne se doutent pas de l'importance d'un pareil échange. Ici, une certaine forme de mystique a partie liée avec notre condition. L'acte d'appréhender un nuage, une œuvre, un paysage, suppose pourtant une totale implication du regard et de la chair animée dont il procède. S'immerger sans préjuger aucun dans l'universel, c'est découvrir que tout en son sein bruisse, se meut, dialogue, s'entraide. Supérieure à celle de mes contemporains.
D'où ma vénération pour l'admirable Titien qui a eu le génie de te concevoir. Ta coiffe, moyenâgeuse, ta barbe fine, ta chemise blanche plissée comme une aube, ton ample vêtement de brocart noir, tes gants d'un cuir ocré, la tenue parfaite de l'homme de la Renaissance. Colomb avait déjà découvert les Amériques. Gama a ouvert la route des Indes. Montaigne était sur le point de paraître avec Galilée et Descartes. Les dés étaient ainsi jetés. Les dieux de l'Hélade et du Latium ne constituaient plus qu'une gloire lointaine, mais l'on s'apprêtait à s'emparer de leur sceptre.
J'imagine combien il est différent de notre conformation d'esprit, même si tu me donnes l'impression d'être des nôtres. Le fait est qu'un bon demi-millénaire nous sépare. Quand je prends la peine de contempler calmement tes yeux, je m'aperçois que tout en relevant d'une autre époque, tu as néanmoins réussi à t'inviter dans mon présent. Curieux. On te croirait presque désappointé d'être là parmi nous. Te reproches-tu d'avoir si longtemps cheminé dans la nuit de ta toile, jusqu'à devoir t'introduire aujourd'hui dans un univers pour lequel tu n'étais pas préparé? Quand un visiteur s'immobilise devant toi, est-ce son âme que tu scrutes ou à travers elle un monde rendu mortifère? Par exemple, ta belle allure de Florentin. Quand tu t'ébattais jadis sur le pont du Rialto, sentir aimer, s'émouvoir à valeur d'éternité. Combien de pensées et de mots dans la plupart des cas, semés au vent. C'est pourquoi l'image des trois catégories consacrées du temps, naître et mourir, sont sans doute les figures d'une même illusion, et ainsi l'incroyable est partout. Ta coiffe, ta chemise, tes gants, avec ton ample vêtement de brocart noir en pure convention, d'où ma conviction, nous pourrions échanger nos habits sans qu'il y eût à s'en étonner. Car si tu as réussi à inscrire mon présent, j'affirme que perdurent également en moi quelques traces de la Florence, de Savonarole et des Médicis. Lorsque je m'immobilisais devant ta toile, je songeais plus au grand Titien qu'à ce que suggérait l'homme aux gants. Je me rappelais que Charles Quint, de passage en Italie, avait souhaité rencontrer le maître incontesté de la peinture vénitienne. Le pinceau était alors tombé des mains de ce dernier et l'empereur de toutes les nations, oubliant son rang, l'avait ramassé et restitué à son propriétaire.
Mais je ne m'étais pas encore figuré combien ton regard se voulait puissant, dérangeant. N'avait-il pas la propriété de me suivre partout? J'éprouvais la même sensation avec la Joconde et le Saint Jean-Baptiste. Mais le jeu insolite de tes yeux était différent. Ta prunelle droite dardait d'une manière pleine, tandis que l'autre était affublée d'un léger strabisme, comme si l'essentiel était situé dans cette mince périphérie. C'est en faisant semblant de ne pas s'intéresser à moi que ton œil gauche m'appréhende dans ma totalité. Voir, c'est également s'exposer à une distraction, une surenchère de gêne et d'esquive. Mais ta prunelle, qu'on croirait un peu faussée, a manifestement d'autres ambitions que la capture des formes. Depuis que je t'ai associé à une note et à une couleur, je sais que ta présence s'exerce d'une manière subtile. Sous ces quelques oripeaux dont aime à se vêtir la matière, devenant du même coup banale, presque muette, tout n'est-il pas onde, vibration? Ce que nous appelons le monde ne constitue peut-être qu'une grimace chargée d'égarer les plus candides. Parmi ces inconnus, combien devinent qu'ils sont l'objet de ton implacable regard? Chacun devant ta toile, s'attardant à peine, est tout juste intrigué. C'est toi qui, vif comme l'éclair, le rejoins aussitôt jusqu'au fond de l'âme. L'horloge a beau tourner, tu gardes obstinément la pose et les visiteurs mettent beaucoup de temps avant de se douter de tes pouvoirs, car tu ne te contentes pas de les radiographier, comprenant d'instinct qui ils sont, d'où ils viennent et vers quel chemin ils sont emportés à leur insu. Sous des dehors de momie, tu t'emploies surtout à comptabiliser ce que l'homme, dans son acception première, est en train de perdre et d'oublier. Thank you.
continue de fouler le sol du musée Pêche, de préférence l'après-midi, quand la ville encore calme, avec ses façades, ses arbres, ses places, ses monuments, danse au gré de mes pas dans un silence d'église. Mais lorsque j'accède au deuxième étage du palais, à quoi bon renouer avec mes longs affûts? Je n'ignore pas que tes yeux, en apparence inchangés, sont ailleurs. Ce n'est plus moi que tu regardes, mais ta propre réalité assortie d'un dédoublement emblématique. J'ai le sentiment que la totalité de la créature humaine s'interroge à travers toi, comme jamais. Où en est-elle? Que devient-elle? Hier, pourtant, lorsque je t'ai quitté, mon regard a été attiré dans la rue par un personnage d'aspect élancé et pourvu d'un habit sombre. Surgit sans crier gare, il se rapprochait avec un air étrange, intemporel. Je me suis aperçu qu'il avait ton visage. Stupéfait et compris, je me suis alors retourné. Et la rue n'était plus peuplée que de badauds. La nuit a été courte et singulière. L'état idéal, je ne le vois ni dans le sommeil, ni dans la conscience éveillée. Cette perpétuelle oscillation entre le lit et la marche me démontre qu'il s'agit d'une situation curieuse, en quête d'une troisième voie. C'est dire l'insoluble de notre condition. Je n'oublie pas la leçon résultant de notre rencontre au musée Pêche. Il ne faut être sûr de rien, ou plutôt se convaincre que nous sommes en permanence du ressort de l'inouï. N'être pas, être, puis n'être plus ce triptyque, ne constitue-t-il pas l'énoncé fondamental qui nous résume au mieux? La 24e heure venait de tinter au clocher de la ville. Je ne dormais toujours pas. J'avais l'impression qu'une part de moi était en attente d'un contact. L'irruption suivie de la disparition soudaine de l'inconnu à la vie sombre continuait de me hanter. Il s'agissait de toi, l'homme aux gants. Avais-tu profité de quelques instants de calme pour sortir de ton cadre et fouler le pavé d'Ajaccio? Pourquoi la crainte, les habitudes nous privent-elles de certaines rencontres? Avant que tu ne rentres dans ta salle d'exposition, j'aurais dû t'ouvrir ma porte. Ta précédente apparition dans la rue relevait d'un désir d'entrer en contact avec moi. Mais je n'ai pas eu à temps la réaction que tu souhaitais. Je devine que le grand Titien t'a créé solitaire et ombrageux. Quand je me suis retournée, il était sans doute trop tard pour que tu reviennes sur tes pas. Si hier je t'ai laissé aller dans la vie, c'est parce qu'il me paraissait inutile d'attendre de ta part le moindre mot. Relativement à mes questions capitales, je te donnais obstinément en secret, ayant d'autres confidents,
que le silence. Je n'irai plus hanter le deuxième étage du musée Flech. Seule l'inouïe existe. Mais au-delà, et grâce à toi, je n'ignore plus désormais que tout demeure infiniment ouvert, imprévisible. Prodigie. Je m'absorbais dans des nuages, fuyant les regards vides de mes contemporains, aux mains chargées d'apparence et de poussière. J'ai tapé à votre porte et il m'en a coûté. Votre mépris assourdissant me livre à l'oubli moderne. J'ai l'impression d'être sous cloche, griffant la vitre, pour témoigner, crier, « Eh oh, j'existe !» Aucun écho ne résonne. Aucun visage ne se détourne de cette course implacable vers un futur dévastateur, insaisissable et impossible. J'aurais essayé de témoigner de l'indicible, la poésie des lueurs, de déployer les parfums du sublime, de répandre aujourd'hui le cristal des anciens. Hommes, femmes, ni anciens ni modernes, saisissez-vous de ce fil d'Ariane qui nous relie aux racines de notre feu intérieur commun. Je ne sais si je suis le voyageur ou le sédentaire de cette intime vérité qui nous tend les bras. À quoi bon partir pour Cythère puisque nous y sommes déjà? Accrochons-nous au regard et aux lèvres de Saint Jean-Baptiste, de la Joconde, de Vénus ou de l'Orangan. Ils ont ce pouvoir de la grâce qui costume notre âme. Empruntons ces ponts comme des sourires bienveillants et libérateurs qui nous entraînent vers cette joie intérieure brillante et éternelle. Pourtant, nous avançons péniblement, les pieds embués dans le goudron, coiffés de l'horrible ignorance qui sous-tend la barbarie. Nous devons nous ressaisir et étreindre la beauté comme l'on boit une source. Que nous puissions croiser ton regard et écouter ton silence supérieur, chargé de messages intimes, de nourriture délicieuse, ourdie par la noblesse des profondeurs. Et toi, mon ami, voué à présent aux caresses angéliques, que ton absence est cruelle, toi, si souvent missionnaire, tu nous laisses cette étrange et lourde responsabilité de poursuivre le chemin au milieu d'un champ de ruines, avec pour seule arme ce regard épris des évasions en nocturne.
chance d'être parmi nous pour ce voyage intérieur, je l'espère pour tout le monde. Je voudrais remercier bien sûr toute notre équipe, c'est-à-dire d'abord l'écrivain Aristide Derrière, qui est parmi nous d'ailleurs. Remercier aussi tout particulièrement les comédiens qui ont incarné ce texte, qui est un texte philosophique à la base, et qui l'ont rendu vivant et charnel. Donc un grand merci à Marianne Native et à Dominique Otard. Bon, merci ici à Elisabeth Pacheau avec sa danse et sa grâce qui a donné de l'inspiration. Bon, merci aussi à André Vetor qui a créé toutes les projections de vidéo. Un grand merci bien sûr aussi à l'équipe technique, donc Cécile Elich, Vincent Trier. Ouais. Aussi un grand merci à Véronique Pisdambille, qui est notre attachée culturelle et vaillante dans tous les domaines. Sans oublier Madame Christophe Hart du Musée Pêche. Et sans oublier évidemment le concepteur du projet, Mario Sébu. Vous avez aussi l'opportunité de certains livres, dont évidemment vous pensez bien à l'homme au gant d'Aristide Merriert, qui sera là à votre disposition, et d'autres livres de poésie de Dominique Otard, d'Elisabeth Pacioni, dont vous pouvez les acheter, et aussi, pour ceux qui le veulent bien, ça nous aide, adhérer à l'association Allo Théâtrale, ce qui nous permet avec votre mail, votre nom, votre téléphone, de vous informer régulièrement de tout ce qui se passe dans ce lieu. Ensuite, vous avez évidemment les tableaux de Marius Sépulcre. Ceux qui sont intéressés, les prix sont à votre disposition. Mais avant tout, il y a aussi un petit pot de l'amitié. Et nous invitons, avant ce pot de l'amitié, à Christine Herrière de dire quelques mots, puisqu'il était là hier. Il a été là aujourd'hui. C'était à l'évidence une soirée renversante. J'espère que cette chute n'a pas été. Pas du tout. En tout cas, je suis habituée aux chutes. Il est grave. Ouais. Je ne passe pas une chute. C'est longtemps. Je te conseille vivement de la théâtraliser avec moins de douleur la prochaine fois. Non, je ne pense pas. On va faire partie pas. Maintenant, lors de nos prochaines tournées, au fond de la maison. Oui. Alors, on a essayé, merci encore, d'avoir eu cette idée, Mario, de mettre en de créer un scénario autour de ce texte que j'ai écrit à la suite d'une aventure qui se poursuit avec ce personnage. Il y a bien sûr le Titien, il y a le tableau, on peut dire qu'il y a le personnage. Et j'ai pu comprendre que, au fond, toutes les formes d'amitié ou d'amour peuvent passer par d'autres intermédiaires que des humains. Il peut arriver que l'on soit comme ça interpellé et certainement pénétré profondément par une présence qui ne relève pas essentiellement de sa place. C'est ce qui m'est arrivé avec ce tableau. Et j'ai vraiment le sentiment que tout l'art occidental du portrait, évidemment, c'est du figuratif, mais derrière ce figuratif-là, et je sais que Mario partage mon avis, puisqu'il a aussi cette passion pour le mouvement,
Et c'est en lisant mon petit livre qu'il a eu, je crois, le désir de le mettre en scène. Or, ce portrait dépasse simplement le stade d'un personnage de cabaret. Je l'ai rapidement décodé comme un annonciateur, comme un messager. Et je suis très heureux de savoir que ce tableau fait partie maintenant définitivement de la collection du musée Fesch. Et j'ai le sentiment vraiment, et pour cela je crois qu'il faut faire un petit effort, sortir de cette rationalité écrasante qui nous désensibilise de plus en plus, et renouer avec une forme d'approche du monde, une approche intuitive. Renouer peut-être avec une sensibilité, une sensorialité qui nous a quitté, qui est en train de nous quitter. Et à ce moment-là, on peut décoder peut-être que toute forme de présence, tableau ou autre, eh bien, ça renvoie des signes. Et moi, je parle vraiment de la polyphonie du monde. Je pense que tu parles, en réalité. Et donc, ce tableau nous parle. Il est là et il est venu du fond des siècles. Et je crois que c'est comme une main tendue à notre modernité. Et il est en train de nous dire, je pense que Maria du partage cette avis, il est en train de nous dire, écoutez, vous êtes sur le point de traverser, ou plutôt de vivre un tournant fondamental, puisque la robotique, les algorithmes, le big data, bref, le transhumanisme est là à vos portes, et c'est vrai que vous allez fonctionner autrement. Alors allez-y, puisque après tout ça vient de vous, mais restez vigilants, et faites en sorte que vous soyez toujours, au fil des décennies, en mesure d'aimer, en mesure de peindre, en mesure de philosopher. Faites en sorte que votre troisième millénaire ne se dote pas un jour d'une voix de rouge. Gardez le monopole de la réflexion, de la sensibilité. C'est un peu, me semble-t-il, ce que nous dit ce visage énigmatique, qui relève effectivement par certains côtés de Joconde. Je crois que il y a le monde, je le vois comme la puissance invitante qui tend la main à notre faiblesse invitée. Et j'ai le sentiment qu'il faut que nous renouions au plus vite avec cette polyphonie universelle. Nous n'avons pas le monopole de l'intelligence. Tout part dans l'univers. Platon parlait du gros animal en parlant du cosmos. Je disais hier que nous habitons une planète qui non seulement est devenue une île, mais qui se double maintenant d'un vaisseau spatial. Nous sommes en voyage en permanence à bord de cette planète. Chaque découpe de ciel, chaque nuit est différente, puisque même si cette salle est immobile, eh bien c'est un vaisseau qui tourne sur lui-même, qui tourne autour du soleil, qui tourne autour du centre de la galaxie, et qui pour finir part dans l'infini avec des vitesses prodigieuses. Et ce qui est intéressant avec cette idée de voyage sidéral, c'est qu'à l'intérieur des soutes, il y a ceux qui nous ont quittés. Ils sont 100 milliards. Il y a 100 milliards de morts, c'est l'équivalent de 40 000 générations depuis que l'humanité existe. Et puis nous sommes dans les soutes. Et nous sommes sur les ponts plus ou moins supérieurs. Quoi qu'il faut s'étonner d'être. Et le mot enthousiasme est très beau. Anthéos, c'est avoir le divin en soi. Être capable d'avoir le divin en soi, c'est certainement une façon de renouer avec cette polyphonie du monde. Et je crois que c'est saint Paul qui disait « Si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien ». Et saint Augustin également qui disait « La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure ». Et aimer, pour moi, c'est être capable d'être à l'écoute. Ça me paraît très important. Le matin, quand je sors de chez moi, j'habite au 9e étage, j'écoute de la grotte. Généralement, quand je sors, quelqu'un m'a pris l'ascenseur. Donc l'ascenseur s'en va au moment où je m'approche. Je descends dans ma voiture, je n'ai pas encore mis ma ceinture, que quelqu'un attend ma place. Vous avez fait là quelque chose qui me touche beaucoup. Et à Ajaccio, bon voilà, vous démontrez qu'il peut se passer des choses absolument précieuses. Voilà, merci. 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 Merci.